Dans cette vidéo, on va ouvrir tous les coffrets Pokémon de la nouvelle série Flamme Obsidienne. On va ouvrir un booster Pokémon sous blister Dracaufeu. Voilà, juste ici, il est sublime. Ensuite, on va ouvrir un tri-pack Pokémon Flamme Obsidienne. Donc à l'intérieur, il y a 3 boosters. Le prix conseillé pour ça est de 17€, 18€. Ensuite, on va ouvrir une ETB Pokémon. Ça, c'est 60€ la boîte. Et on va finir par le produit ultime de cette série, la display Pokémon Flamme Obsidienne. Dans cette vidéo, on s'ouvre presque 100 boosters Pokémon Flamme Obsidienne. Bon, j'abuse un peu sur 100 boosters. Un petit peu beaucoup, mais... Un petit peu, mais on va s'ouvrir beaucoup de boosters et on va essayer de tirer du très très lourd. D'ailleurs, dans cette vidéo, on vous fait gagner un petit tri-pack Flamme Obsidienne. Avec du Dracaufeu, juste ici. Pour participer, ouais, il faut commenter et liker la vidéo. Et liker, juste ça. Bon, dans notre dernière vidéo, on vous a donné un tri-pack aussi et on a eu beaucoup de chance sur la fin. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Bon, allez, on commence avec ce booster sous blister. Ça, vous pouvez l'acheter au prix de 5,99€, c'est prix conseillé moyen. Et on va voir quel est l'item aussi le plus rentable de cette série, parce que c'est vrai que là on va ouvrir et on va avoir une idée directe du prix des cartes. C'est incroyable. Et surtout on va essayer de collectionner la série, de la compléter, du moins ça pourrait être sympa. Allons, un petit Balbudo, un Ampibidou. Allez, attention, un Flamme en route, c'est incroyable d'avoir le Dracaufeu, t'imagines. Allez, attention, un Roucou. Et derrière, pas non, on n'a pas d'air. Oh. Un thé froid, ok. Et derrière, une petite holographique Fulguris. Bon, c'était pas du lourd dans ce petit blister, mon mais petit là, ça a ton pack. C'est tes premiers boosters. C'est mes premiers boosters. Il en a ouvert juste avant dans la vidéo, Alex. Et t'en penses quoi de cette série? Franchement, j'aime beaucoup. J'ai regardé le petit livret de l'ETB. Il y a vraiment des cartes qui sont, je trouve, magnifiques. Cartes, de ouf, hein. Il y a une trainer que je trouve incroyable. J'ai déjà oublié son nom parce qu'il n'est pas commun. Mais on l'a en full art et en alternate. Ouais. Et j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Ce serait vraiment très, très cool de donc tirer voilà tout ça. Et il y a quand même pas mal d'air aussi qui sont très cute. Donc on va voir si on peut en faire tomber. EV2, c'est chargé en air. On je va voir EV3 sur ouais, la là, il y a beaucoup moins d'air. Il y a beaucoup moins et d'air. Elles sont beaucoup plus rares. Ouais, voilà, c'est genre, ça. Genre vraiment, genre t'en as qu'une par exemple par display au lieu de 3. Ah oui. Ils ont vraiment tout changé sur ça. Ok. Oh. Ah là là, allez, let's qu'est-ce go. Qu'est-ce qu'il est beau, c'est évolué. Mais c'est ton premier booster. C'est mon premier booster. Ça veut dire que là, si tu tires le Dracaufeu Alternate, genre c'est légendaire. Ben, je suis la dresseuse de Dracaufeu, non? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va voir. Attention. Attention. Non. Non, rien du tout dans son premier booster. Et une Squawk. Oh, il est pas très beau celui-là. Ouais, il est belle. Il porte bien. Après, on mettra toutes les cartes dans un classeur et on va essayer de voir combien de boosters il faut pour compléter la collection. On va pas la compléter entièrement avec les ouvertures, mais on vous fera une vidéo sur ça. Allez, derrière. T'as et vu les airs sont durs, les airs. Ah, non, non, elles sont vraiment durs. Elles sont vraiment durs à avoir. Rendez-nous nos airs. En tout cas, est-ce qu'on va être sur un tri-pack? Vraiment? Non, moi j'y crois. Tu crois jusqu'à la fin? Bon, on essaie de vous kiffer les vidéos en tout cas opening, on essaie vraiment de vous faire des vidéos vlog, des vidéos Pokémon, opening, informations, etc. Donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne et qui donnent de la force. Wow. Oh, le Evoli en reverse, ça allez c'est beau. Allez. Non. Oh, et une ex. Mais c'est pas une ex terra cristallisée. Non, ouais. Une crocarnage. Ok, Vrombotan. Tu l'avais eu? Non, par contre on l'avait pas, donc ça c'est trop cool pour le classeur. Ça complète. Ça c'est trop cool. Pourquoi ouais. Pourquoi pas? Ah, je suis très content. Tu vois, bon tri-pack au final. En vrai, ça va. Allez, maintenant ouvre-nous cette ETB, la montre-nous un petit peu là. Je vous la montre. Pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, vous connaissez déjà le produit ETB, le format. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format où il y a 9 boosters avec une carte promotionnelle incroyable. Salamèche, avec des sleeves aussi, vraiment très sympa. Regardez ça. Wouh, incroyable. Non, vraiment, c'est trop on beau. On a nos 9 boosters, on va les compter. Il y a des flammes et tout, genre, c'est vraiment trop stylé. Hop. On a les sleeves, bon, tu les as montrés, ouais, mais très sleeves rapidement. Et on a la promo. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est trop c'est belle. Dingue. Et après, promo, on a des accessoires. Dingue. Voilà. Elle est vraiment très très belle. Et ensuite, on a bien les 9 boosters, ouais. On a bien les 9 boosters. Regardez, il y a ce Rongrigou, il est très rigolo. Moi, j'aimerais bien l'avoir. Ouais, c'est vraiment et regarde le Fenard en AR. Ouais, il est magnifique. Après les airs sont vraiment... T'as vu, il y a très peu d'air. Il y a très peu d'air, genre, j'ai y vu y a tout à l'heure. 10 airs. Et voilà, c'est elle que je veux. Alisma Full Art, okay. Et Alisma Alternate. Okay. Donc et on va ben, voir. On va essayer de tirer ça. Après le Dracaufeu, on va Alisma. Vas-y, bon, c'est une choisis tes boosters. Vidéo. Moi, je commence avec... Enfin, ils sont tellement beaux ces boosters. Ils sont cool, les hein. Pokémon extra cristallisés sur l'illustration du booster, c'est vraiment incroyable. Allez, un Toxizap. Un Charibari, non, un Charbamba. Un Tefroid, ok, un petit Arboliva. Un Sbire, Trompignon et derrière. Ah, on a rien et derrière. Non, rien du tout. Rien du tout. Non. En vrai, elles sont vraiment très dures ces airs. Hein, ah oui, non, mais elles sont très, trois fois plus dures. Comparé à Paldea, déjà que Paldea elles sont chères, alors là, ouais. Je sais pas ce que ça va donner, ouais, mais ouais. Hâte de voir les prix. Hein. Allez, c'est parti. Voyons ce que ça donne Togepi, avec un Togepi. Crabominable, okay. Fragroin. Ponchio et derrière. Oh oui. Une alternate. Oui, 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 oui. C'est une alternate. Alisma. On peut avoir Dracaufeu. Moi, je mais on peut avoir Dracaufeu. Dracaufeu. On connaît pas les numéros, donc viens, on fait le même jeu que dans la vidéo d'avant. Vas-y, il est là le livret. Ok, vas-y. Moi, je regarde le numéro on avec. On peut avoir Dracaufeu, les gars. Est-ce qu'il y a 2 étoiles? Retourne-toi. Ouais, c'est une alternate, c'est sûr. Retourne-toi. Les gars, on a une alternate. Arrête. Ok. Regarde pas mon numéro. Ok, je regarde pas ton je numéro. Regarde promis, avec. Promis.
Il y a deux étoiles, Alex. D'accord, il y a deux étoiles. Et c'est entre 220 et 230. Est-ce que c'est 223? Est-ce qu'on veut? On veut. C'est pas ça. C'était Dracofa Alternate. Ouais. Me dis pas que c'est 226. 226, c'est quoi? Me dis pas que c'est 226, mais... C'est quoi? Regarde. Incroyable! Non, non! C'est celle qu'elle voulait. Elle est incroyable, cette alternate dresseur. C'est la meilleure alt dresseur de la série, les gars, je crois. Ah, c'est incroyable. La pioche de fou. Mais c'est que le début de cette vidéo, donc ne partez pas. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'on va tirer le Dracofeu ex alternate. C'est sûr. C'est sûr, là. Là, on est bien. On est bien parti, en tout cas. Je continue avec mon booster. Du coup, on continue d'y croire. Et franchement, c'est trop allez, bien. Allez, Alex, on va chercher d'être. Je suis trop content. Avec un petit. Oh, le Salamèche qui est incroyable. Un Salamèche, un mini Draco, Misterbe. Allez, un petit Kangourex. Allez, juste derrière, il y a les Rivers. Allez, c'est derrière. Allez, Alex. Non, on n'a rien. Et là, rien du tout. Ah un Scovilin. Oh, il y a la gold aussi. C'est trop bien cette opening. Ouais, il y a la gold aussi, le Dracofeu gold. Il y a très peu de gold, hein. Ouais, il y a très peu de gold. C'est pour ça qu'il tombe beaucoup le Dracofeu gold, parce qu'on a très peu. Ah. Sur Reine de Glace, genre, tu vois, t'as au moins 10 gold, alors que là... ils font plus trop les gold dresseurs, en vrai. Non, ils font plus trop. Allez, attention. AR. Une AR. Ça ressemble à Cisayoc. Dis-moi que c'est Cisayoc, s'il te plaît. Oh, ah, j'adore. T'aimes bien? Ah, j'adore. Moi, je suis pas hyper fan. J'adore le Ampibidou Full Art de Evolsa Belga. En tout cas, ça complète. Et derrière, Full Art. Mais c'est quoi, machin? C'est quoi cet opening? Mais t'as trop quoi de chance. Il y a quoi Full Art? Il y a plein de choses, Absol et tout, là, faut voir, il y a plein de choses. Déjà, est-ce que c'est une extra cristallisée ou pas? Non. What? 221. Full Art Trainer? C'est une Full Art Trainer? Imagine ça, Alisma. Oh, et ben let's go, un hit encore. Let's go, tu l'aimes bien? Mais tu sais, on complète deux. J'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. Bah, c'est pas une carte qui vaut particulièrement cher, je pense, mais c'est cool. Non, mais... C'est une ETB, genre... C'est une roqueuse, elle est stylée, en vrai. Ouais, mais bah, c'est cool, mais surtout, aussi, on va compléter bien. De fou, c'est trop bien. Ah ouais, franchement, elle est incroyable, incroyable, cette vidéo. Allez, Alex. Allez, voyons ce que ça donne. Et un petit tête en poule, un chamallow, un petit Togé des Marou, Altaria, allez, juste derrière, Ambrilex... Non, rien ici, et ici, rien du tout. Bon, je pense que c'est toi qui va gagner, là. Ah, tu sais, t'as tiré, genre, tous les hits de cette display. T'as tiré aussi le Coraidon, hein. Bon, j'ouvre mon dernier booster, après, il restera un booster dans cette ETB, et on va ouvrir une display complète. Oh, non, c'est vraiment une vidéo de fou. T'as encore tes chances. Une vidéo à budget, là. Ouais. Elle a un petit Musteflotte. Oh, le Noctani. En reverse, ça doit être une carte de dingue. Waouh. Waouh, on découvre des cartes dans cette vidéo. Elle a un petit Rototop et derrière, oh Cisayoc. T'aimes bien Cisayoc? Moi j'aime beaucoup Cisayoc, il est trop stylé, je crois. L'avant-dernier booster de cette ETB, en tout cas. Je suis sûre d'avoir celui du haut. La pioche est géniale pour le moment. Togetic, Fenard. Fenard. Tout tombe. Tout tombé. Reverse. T'es en poule et derrière. Une holo. Allez, lui le Dracolos, il y a quelque chose. Franchement, on a eu beaucoup de hits, donc je m'attends pas à avoir quelque chose en plus, mais c'est trop bien. Franchement, ça régale parce que... La display, elle va régaler de fou. Quand t'ouvres une ETB, t'es content de tomber sur des hits comme ça, quoi. Allez, attention, jolie flore. C'est les rocs. Mastouf et derrière. Non, rien du tout. Non. Rien, il restait rien, mais très belle ETB, franchement, on valide. Bon ben voilà, on a chacun 18 boosters et là c'est une battle de fou. On Maxi va essayer de... Ouais, on va essayer d'avoir de belles choses. Et ben je commence avec cette petite illustration de Dracolos. On fait un booster chacun, ok? Allez. Allez, c'est parti avec un Rookool. Profitez bien de cet opening. Et là, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas voir toutes les cartes de la série ou presque en une seule vidéo parce que là, on ouvre vraiment beaucoup de boosters. Bon, à la Malos. Dans la série quand même. Derrière un Malamande. Oui, évidemment, c'est pour rire. On va pas avoir le full set en seulement 50 boosters. Mais ça nous donne une idée de qu'est-ce qu'on peut avoir en 50 boosters. Et pour le moment, l'item le plus rentable, c'était l'ETB. Pour l'instant, ouais. Le blister, ben, on n'a pas eu de chance. Et le tripack, c'était pas dingue. Allez, juste derrière Infect. Et derrière, rien du tout. Allez, booster suivant. Hop. Je vous mets ça comme ça. Et là, profitez bien. Profitez bien de cet opening. On a un Funessir. Un Non Mais Oui. Un petit Salamèche. Loclas. Mascadra. Gourmelet. Et derrière. Ah non, rien du tout. Non et rien plus. Du tout. Pour le moment. On n'a pas grand chose, mais restez bien jusqu'à la fin parce que. C'est à la fin du bal. Ça devrait. Si c'est comme Pompée, la dernière vidéo. Les musiciens. Allez, Poppy. C'est l'erreur. Et Flèche. Mélo. Pas d'air. Rien. Et une holo. Rien du tout. Wow, bordel de poids. C'est une maxi clim pour le moment, c'est une maxi clim. Mais ça va le faire, ça va le faire. Faut croire en soi. Faut croire en nous. Allez, un Lamperoi. Un Ambrilex. Magnéti. Charpedo. Oh, le Mantali. En reverse, Noctali Mantali, t'imagines? Sapero et derrière, rien et rien. Oh, Alisma. Alisma, elle est jolie. Bon, là, faut passer aux choses sérieusement. Là, il faut passer à la vitesse supérieure. En fait, c'est ça. Nos ouvertures, elles sont faites pour le watch time. C'est-à-dire, elles sont faites pour qu'il reste jusqu'à la fin. Et tu vois qu'il y a un vraiment gros hit. Là, maintenant, par exemple, tu vois. Vous ne partez pas.
Voilà, ah, une ex. Il ne faut pas partir. Ouais, mais c'est pas une extérieure cristallisée. Mirai donc. Elle est très belle. Ne partez pas. Belle. Un petit scalpion. Un thé froid, charpedo, qui est, oh, montagnier encore sublime. Musté flotte, un meltant, et derrière, ah, rien. Et derrière, rien du tout. Un cisaïox à nouveau. Allez, donnez-nous du Pokémon Company. Régalez-nous. Donc là, c'est trop bien. Ça, c'est les meilleures vidéos qu'on fait là. Ah, les vidéos opening comme ça à la sortie d'une série, c'est incroyable. Démolos, Colza. Ok, 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 ok. Non, rien et rien. Ouais, mais là, on est sur une plume. Imagine, on a vraiment ça dans notre display. Genre une ex. Genre juste mes parents, mais Mirai-Doum, il est incroyable. Et rien du tout. Waouh. Là, c'est une display blister qu'on a ouvert. Et vous allez voir ce que ça donne un peu une display blister. On va voir si on peut avoir de bons hits ou pas à l'intérieur. Spoink. Allez, Terra Cruel. Fena. Doucement, profite. Voilà, profite un petit peu des artworks là, mais fais-nous. Évolue. Fais-nous kiffer là. Oh, t'as une ex par contre derrière. Tu penses? Ouais. Non. Ah non. Oh là 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 là. Trop mignon. Par contre, on va avoir toutes les holos, je pense. Allez, un Tritonde, un Aragdo, un Chamallow, ok, Magnézone, Misdibule, Manglouton. Derrière, rien du tout. Et, mais tu sais que moi, j'ai eu 0 hit. Oh, en combien de boosters t'as ouvert? Là, les 7 boosters. Là, je suis sur une méga clean. Mais j'espère qu'on va avoir les plus grosses cartes de la série pour attraper ça, quoi. Ouais, là, c'est dur. Magnéti, Brindibou. Par contre, elles sont vraiment très belles, les cartes. Hein. J'aime énormément les communes. Depuis tout à l'heure, je regarde, genre ça, vraiment... regarde. Lugarok, c'est incroyable, je trouve. Tarumor. Oh là là, encore le Evoli, ouais, super. Et derrière? Non, rien. Wesh. Wesh. Oh, Darkrai, un holo, la dinguerie. Non, je garde la pile de gauche pour après. Je me garde la pile de droite. Bon, pour l'instant, on n'a rien. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Allez, Anchoate, Goupix, ça brille de tous les côtés à chaque booster. Ouais, je me dis, il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien. Ouais, non, il n'y a rien. Non, y a rien. Du tout. Juste, tu sais, c'est l'holo qui brille de fou. Parce que les bords, ils brillent de dingue. Ouais. Là, on est sur une clim. Oh, ah, oh, mais t'inquiète pas, on va faire un record du monde. Hein. Oh, c'est dur. Mais à l'envers. Hein. Ah, ouais, record du monde de, du moins de hits dans une boîte. C'est clair. Misdibule. Rien du tout. Full art. Ah, full art. Allez, les gars. Elle est Dracaufeu. Ah, c'est Absol. Absol, elle est ouais. Géniale, ouais. Ah, elle est vraiment... Waouh, ok. Elle premier est sublime. Hit premier hit qui tombe, j'ai rien dit, les gars. Mais par contre, c'est que Mae qui tire les hits dans cette vidéo. Je comprends pas. C'est une dinguerie. Nous, c'est un petit peu... Oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie. Le cette violet, carte, elle est... Là, je trouve qu'ils ont très bien choisi les couleurs. Ouais, pour moi, c'est 10 entre sur 10, le Pokémon carte. Et le fond de la ouais, carte. De fou. Et le blanc du Pokémon. Par exemple, et tout, hein. Lugia, c'est pas beau, Lugia Full Art de ouais. Tempête Argentée. Le fond est pas hyper ouf. Là, cette carte est incroyable. Ok, ça c'est pas mal, ça donne envie pour la suite. Alain Axolotl, un Balbuto, un Carvana. Allez, une R. S'il vous plaît. Non. Et non. Alex, mais moi, tu sais, j'ai eu aucune ultra. T'es en 9 booster. Non, mais je. Ça va? Je te sens non, bien. Non, ça va pas là. Justement, ça va pas. Tout mais tombe. Ça va arriver, c'est que ça va arriver à la fin, c'est pas plus mal. Alain Pepper. Limonde. Limonde, oh là là, le Noctali. Mais qu'est-ce que c'est beau, les communes, elles sont incroyables. Et derrière, AR. Une R. Ah, je sais pas ce que ça peut être. Celle-ci, on l'a pas, c'est sûr. 206, non. Allez, vas-y. Vroombi. Ok. Vroombi. Ok, je pense que c'est la R la moins sympa de la série. Allez, un petit Mélancolux, un Magnézone. Allez, qu'est-ce que tu regardes? Mais je crois que t'as quelque chose, non, mais j'ai en rien. Fait, non, j'ai jamais. Moi, j'ai eu aucune ultra sur 9 boosters. Alex. 9 boosters, frère, 0 ultra, je me jette en l'air. De mon côté, j'ai 0 hit, genre je peux même pas montrer une ex. Tu vois, j'ai rien. Rien. Montre-la. Ah, la promo de l'ETB. Ouais, c'est ça. Et derrière. Non. Rien. Est-ce qu'on va avoir une alternative, tu penses? Eh ben. Ou une gold ou quoi? J'aurais tendance à dire oui, mais. Ce serait bien. Avec ce qu'on est en train de faire, non, je sais pas. Allez, un petit Rocabo, un Karatroc, un Scalproix. Polagriffe, ouh, Reptincelle, on n'avait pas eu celle-ci, j'ai l'impression. Et derrière, rien du tout. Non, j'ai rien. J'ai rien. Je te jure, c'est fait 10 boosters de suite, j'ai rien. Attends, j'en ouvre encore un autre. Mais je m'arrête pas d'ouvrir tant que j'ai pas un hit, ok? Bah, il va finir tous non, mais je vais ouvrir en mode éventail, là, c'est pas possible. Aidez-nous. Malos, Karmadura, Sbire, Altaria, Terracool. Les gars, les refs, j'ai rien. Les refs, j'ai... Les gars, c'est quoi cette arnaque? 11 boosters sans un hit. Ton frère, je... Les gars, j'ai rien encore. C'est pas possible. Oh, j'ai une clim de l'espace. J'ai rien. Il y a rien. J'ai rien. Ok, là j'ai un truc. Ok, là j'ai un truc. Ça y est. Ok, c'est ma première ultra au bout de 15 boosters. Et c'est, attention... C'est trop dur. Ah bah ouais. C'est, je vais finir moi ma pile, mais c'est, je te jure. Mais après, jusqu'au dernier booster, on peut y croire.
Enfin, franchement, faut pas abandonner. Drag Alternate et Drag Gold, voilà. C'est la meilleure voilà. Distillée. Totalement. Mais non, ça a pas l'air d'être le cas. Petit ex et un Victinian ex. Tu sais, on a toutes les cartes, sauf les meilleures, sauf les Dracolos, les... Bon, je la mettrai même sur ce livre après. Même je veux en ex. Bon, est-ce qu'on peut avoir notre ultra souplé Poké Company? Non. No. Pas d'ultra, les gars. Il te reste deux boosters? Il me reste deux boosters. C'est dur, hein. C'est dur, là. C'est vraiment triste. J'ai une ultra. Mais c'est une ex. C'est pas une... C'est pas une Non, c'est pas une foulard, je crois. Attention. Ouais, c'est pas une foulard. Ombrilex. Waouh. Regardez ce que j'ai, c'est un crime. Là, c'est teammate dans les commentaires. Bon, on va essayer de relever le niveau. Ça va aller. Ouais, mais cette display, c'est un crime, mais c'est infernal. Full art. Wow. Ah, full art. Allez. Tu fais tomber une full art quand même. Hein. Quand même, hein. C'est une full art normale. Et c'est Vrombotor. On est abonné au Vrombi, Vrombotor, tout ce qui commence par Vromb là. Full art qui tombe. C'est cool. Ça fait plaisir. Ça complète le classeur. Mais bordel. Mais par contre, j'aime beaucoup les couleurs. Bien choisi encore une fois. Ouais, franchement, ouais, ça c'est cool. Pourquoi pas. Mais bon, j'ai deux full art déjà. Là, il nous faudrait quoi, tu vois, pour avoir une belle display, tu penses? En vrai, une alt et une gold. Ou une gold. Ah ouais, les deux. Ouais, les deux. Ou une AR en plus. C'est les rocks, Sucrène. Elle est derrière. Non, mais oui. Allez, une alt, AR. Une AR. Ah, oh, je sais. C'est ouais. C'est Roucoule. Ouais, Roucoule. Allez, cool, ok. Allez, cool. Okay. Allez, cool. Moi, je la trouve sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je la trouve cool. Donc, c'était Darkrai derrière. En plus, du coup, ça fait deux AR dans une display. Ouais, voilà, là déjà, je trouve ça un peu mieux. Là, la display est un peu plus belle. En fait, tous les hits étaient du côté de Mai. Ah ouais, elle voilà, prend un bon tournant. Argoust, oh, Altaria. Non. Mascadra. Ah, une ex. Ouais, mais c'est une ex terra cristallisée. C'est pas une. C'est Béca Glaçon. Vas-y, montre. Oh! Let's go. Mais t'es trop forte. C'est mon baby. Il est trop beau. Incroyable. On a eu Dracaufeu, let's go. On l'a eu. Ça fait plaisir. On l'a eu. Ça y est, ça remonte le moral. Il y a du drac qui tombe, là c'est une excellente vidéo, c'est pas la version alternate, mais ça fait plaisir et elle est très 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 On belle. Était sur un display à 2 sur 10, là pour moi ça remonte à 7 6. sur 10, ouais. Ouais, 6, 6 ok. Okay, okay, en vrai, ok, moi ça me va, ouais. De foulard. Franchement, le drac il fait plaisir. J'aimerais deux un AR. Peu de hit en plus, mais c'est ça va. Mal. Ouais, franchement, plutôt content. Il faut attendre la fin en fait. Mais c'est bon, ça. On va voir. Allez, attention à Darumaron. Mistébué, Croquine, Poppy et Flèche. Allez, derrière. Non. Et non. Ça va, il me reste. Je vais en ouvrir un. Oui, tiens, vas-y. Okay. Oh, j'ouvre lui. Ok, ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Oh, c'est trop gentil. Eh bien, écoute, on va essayer de le tirer maintenant. Ah. Oh, la petite ex. Eh bien, j'ouvre un booster, j'ai une ex, moi je m'arrête là. Allez, ben c'est, il reste 4 boosters, un petit art set, ouais. Quoi. Il reste 4 boosters dans cette vidéo, en tout cas, on espère que vous avez kiffé de fou. Pignon. Nous, on a kiffé vous tourner cette vidéo et faire ce méga opening de la mort. Good, good. On peut avoir Dracaufeu. Alex. On peut avoir Dracaufeu, mais... Putain. Mais là, il faut ouvrir d'un coup parce que le numéro que tu vas reconnaître, il faut ouvrir d'un coup. 3, 2, 1... Putain. Ça aurait été incroyable que tu nous tires le drac là. Ça aurait fait de cette vidéo une vidéo banger de fou. Bon, petite gold, on continue. Mais cette display est belle. On va pas se mentir. À la fin, oui. Ceux qui disent ouais, les blisters sont nuls et tout, là on peut pas dire le contraire, franchement. Là, juste que c'est display, pas les hits qu'on voulait, mais. Voilà, on a quand même eu de beaux hits. On aurait pu avoir d'autres cartes, mais. Air. Cisayox, s'il vous plaît. Frère, la vie de ma mère, c'est une dinguerie cette vidéo. On l'a déjà. Et attention, s'il vous plaît, un dernier. Flamant roule. Non. Et le dernier, booster de cette vidéo. Allez. Qu'est-ce qu'il va avoir? Dracaufeu. Imagine, elle est là, on finit sur le drac. Ouais, là c'est. Tu fais aucune coupure parce que sinon. Non, je fais pas de coupure là. Ils vont dire, ça y est. Allez, attention. Non. Malheureusement, non, ça sera pas le cas. Et une ex, et on finit avec un Victini encore. Ok, quand bonne même, display quand même. On espère que vous avez kiffé. Oui. Et pour voir notre dernière vidéo Pokémon ouverture d'une boîte rare, cliquez juste ici.